Alors on le fait décoller, on le fait avancer. Il va faire une rotation sur la droite. Puis il va aller à droite, puis aller à gauche. Puis aller à droite, monter, descendre, avancer et tourner à gauche. Sur lui-même. Ok, on va voir. En résumé, il est censé faire partir d'un point et retourner sur le même point. Non, mais ça fait... Je souhaiterais que il aille. En fait, est-ce que vous pouvez faire un mouvement en spirale carrée, pardon, montant? C'est-à-dire que ben, il va tout droit, il monte, il tourne, il va tout droit, il monte, il tourne. Je fais 90 degrés, après c'est pas 2, c'est 2 secondes, non? Je crois que c'est 2 secondes en 180. Ça fait un demi-tour, ça. Non, c'est 90, un quart de tour. Ouais, non, mais. Ouais, non, mais. C'est pas un. Non, c'est pas un demi. Après, on va mettre ça. On se rappelle, ça devait être utilisé par des artistes, hein? Ouais. C'est ça? Alors attends, il avance, il avance en haut, il tourne à droite, il avance, et puis après vous répétez ça 3-4 fois, puis vous faites atterrir. Alors moi j'y suis pour rien. Cette spirale? À droite, hein, mais... bah, c'est un petit langage qui est conçu exprès comme une cible pour exprimer la sémantique de divers langages. Non, il n'y a pas de processus. Bon, c'est un début de spirale. Hein. Donc il va monter tout en tournant. En spirale. En spirale. D'accord. Après il va refaire le contraire en descendant. Après il va faire un travelling gauche-droit, avant à gauche, avant droit. Il fait un zigzag. D'accord. Et après. Il va se tourner vers nous, il fait un bruit, un flip, il descend. D'accord, ah, d'accord, ok. Il fait un flip. D'accord, bon, bah écoutez, on va voir. Wow. Alors, scénario pour l'équipe 2, il va monter, il avance de une distance, il recule de deux fois cette distance, il monte, et puis il fait la spirale carrée ensuite, et il atterrit. Donc ça, c'est votre scénario de base. Non, le scénario custom. Il recule deux, d'accord. Après, il fait la spirale carrée. Oh là là! Oh! Oh putain! Non, mais il a eu presque envie d'y aller et il y est allé. Donc là, c'est. On va venir en arrière. Voilà. C'est décollé. Ah, après on fait une séquence, un carré. D'accord. Avancer 2 mètres, à droite, à gauche pardon, puis avancer et puis à gauche. D'accord. Puis on remonte 1 mètre. Non, c'est avancer à gauche, reculer à droite. Ouais. C'est deux pieds. Voilà, un carré, après on monte 1 mètre.
Et puis on refait la même séquence. D'accord, c'est la séquence qui est répétée deux fois en bas. On descend un mètre, on refait la même séquence, en et fait, puis on atterrit. L'objectif c'est de voir si le drone atterrit à peu près au même endroit qu'il a décollé, parce que c'est un carré trois fois. Mais on voit qu'en fait, il est moyen. Et encore. Oui. Là, il va à gauche. D'accord, il fait un carré. Pas mal, pas mal. C'est un carré, ça ? Là, il monte. D'accord. Et il recommence. Il va refaire un carré. Il revient vers le Ok, alors vous, le scénario surprise, vous allez faire le scénario, donc vous le faites décoller. D'accord. Vous le faites tourner sur lui-même. Alors, comme ça. En spirale, enfin je sais pas comment ils ont appelé ça eux, d'accord. Vous le faites descendre de la moitié de la distance où vous l'avez fait monter, et puis vous lui faites faire une spirale carrée. Vous le faites. Allez, vous le faites monter d'abord. D'abord, Vous le faites tournoyer sur place. Vous le faites descendre de la moitié de la distance où il est monté. Et après, vous faites une spirale carrée comme le premier groupe. Attendez, j'ai pas tout. Le rayon pi au niveau 4. Non, il tourne d'abord sur lui-même et ensuite il fait la spirale. Il descend de la moitié de son altitude, ok, et après là il fait la spirale en montant. Ah, en montant, il monte, il fait du parallélisme. Ah ouais. Alors là, hein, parallélisme des actions là. Hein. Ah là, il descend. Et là, il atterrit. En tournant.